Vos enfants n'auront pas de cadeau de fête des mères cette année. Viens, on fait un bébé. N'importe quoi. Oh putain. C'est quoi ce délire? T'es enceinte? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Maman, pourquoi tu réponds pas? Je t'ai appelé 4 fois depuis ce matin, là. Corniche pas. T'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie, voilà, qui m'a construit. Tu crois que tu es supérieure parce que quoi? Parce que tu t'es reproduite? Pourquoi vous parlez pas? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Maman. C'est pas le moment de craquer, madame la présidente. Je suis pas à la hauteur, je le sais qu'il le sent. Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait « Relax, maman. Je t'aime. » En fait, moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. C'est quoi le plus indulgent avec les pères? Enfin, avec les hommes en général, d'ailleurs. T'as vu comme tu serais belle? N'importe quoi! Vous avez des enfants, vous? Non, pas encore. Je serai la mère parfaite avec l'enfant que j'ai pas encore eu. Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères? Ah bah oui. Ah non, mais on s'en fout de la fête des pères, on s'en fout.